Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker. On est parti dans un nouvel épisode de Humankind et vous le voyez, la guerre continue entre nos deux cités. Donc c'est moi qui attaque, donc c'est moi qui jouerai en premier tour là. On va tout simplement reculer cette unité et taper dessus à distance. On a une unité qui tire à distance là, qu'on peut vraiment beaucoup blesser, donc on y va. L'objectif c'est vraiment d'essayer de les tuer rapidement. Faut utiliser les unités qui tirent le plus loin d'abord pour être sûr de pouvoir le tuer. Voilà. J'aurais dû peut-être dû tirer avec lui d'abord parce que lui il est trop loin. Ok, ok. Faut blesser un maximum. Ok. Là c'est mort. Lui il a déjà joué. Lui il a déjà joué. Lui il a plus de vie. Il faudrait le remplacer avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas possible que je puisse le déplacer et le sauver. Il va mourir. Il va mourir, il va mourir, il va mourir. Lui, il va bien tarder à mourir aussi. C'est parti. Terminer la manche. Je crois qu'on peut rien faire de plus. On peut les déplacer si on veut. Mais si je le déplace lui après, je peux peut-être d'une certaine manière, c'est vrai, en le déplaçant lui, bouger lui et le sauver. C'est vrai. Je peux faire ça. Ça va être mon choix. Essayer de le sauver. Terminé. Là, ça fait plus un thermopile. Ouais, ils nous ont tué notre unité ici. C'est chaud du cul, hein. Putain de merde. La bataille. On commence à perdre des unités, mais on est à l'intérieur de nos murailles. Ce qui fait qu'on tente quand même très très bien l'intérieur de nos murailles. On en a tué un. Et on va peut-être perdre. Allez, bats-toi bien. Essaye de faire le maximum de kills. Oh, trade. Incroyable ce guerrier celte. Incroyable guerrier celte. C'est incroyable. Ils sont en train de rebrousser chemin. Ils abandonnent. On remet un guerrier ici. On remet notre cheval ici peut-être. Non, celui-là plutôt. Plutôt ici. Et là on tire. J'aurais peut-être dû tirer avec... Là je dois tirer plutôt sur lui si je peux. Ouais. Ils sont derrière les murailles, tant pis, ça les blesse. Je vais essayer de les finir avec, avec mes derniers archers. Voilà, pas mal. On va peut leur faire très mal, mais on va prendre très cher, on va prendre 19. Sans doute perdre l'unité, mais vaut mieux la rush, hein, c'est une unité qui tire à distance. Oh, on lui a pas fait très mal, hein. Si, quand même. On continue. Parfait. Il l'aura bien blessé. Il lui reste très très peu d'unités. Ça donne envie d'aller taper là, si on tape le premier. J'aurais pas dû, j'ai perdu pas mal de vie. Non, ouais, j'ai perdu pas mal de vie. J'aurais pas dû. Ok, ok, on est bon. On est bon, on est bon. Terminé la manche. C'est chaud du cul. Il nous attaque encore. Mais derrière nos murailles, ça tient. Oh là là, ils ont plus d'unité. Ils ont plus d'unité, les potes, faut tenir. Tenons bon. Unité, utiliser les unités les plus loin. Ici, par exemple. Pour avoir le kill facile. Parfait, kill facile. Trade, ça va être un trade. Je compte sur toi, trade. Les deux sont morts.
charge. Go. Ok, ok. Il a déjà joué. Il a déjà joué. Joli cul. J'y vais. J'y vais. Très bon. Très bon fight. Très bon fight ici. Bravo. Et c'est les derniers, eux. De toute façon, ils vont me le tuer si je... onze unités perdues, nous 6. Extrêmement chaud. C'est tenu. Ils vont réattaquer encore. Ils ont 6 de population. Ils vont réattaquer. 9 de population, 7 de population ici. Ils vont recréer de l'armée. Il faut qu'on recrée de l'armée, nous aussi. Sinon, on va perdre à force. C'est certain. Donc il nous faut des guerriers. On est bon. Il nous faut des guerriers. Extrêmement chaud les amis. Et il nous faut des gens qui partent de Thèbes. Let's go. On est parti, on recrée 2 bataillons. Recrée de bataillons les amis. Tout va bien. Tout va bien, mais créons de l'armée. Ne faisons pas n'importe quoi. Parce que eux sont prêts à tout pour gagner. Hein. Quitte à ruiner leur partie. Voilà. Quitte à ruiner leur partie. Ok, on est qui part. Ici toi t'avances. Ok, on arrive près d'une civilisation. Mais je sais pas si on peut leur parler. Et je sais même pas si on peut rentrer dans les frontières. Palais de Tokapi. Akerma. Ouais, toi, tu dois bien sûr travailler plutôt. Le moulin à eau, peut-être. Non, sur rivière, c'est nul. Tu dois nous faire un cavalier pour aller explorer. 2 cavaliers pour aller explorer. Il faut vraiment que j'aille explorer les cases. C'est là on peut passer. Donc il faut que j'aille vraiment trouver des civilisations pour faire du commerce avec elles. On a un éléphant qui a été fini ou toujours pas? Non, toujours pas. Ça coûte tellement cher l'éléphant à faire. Ok, 2 unités, 2 guerriers celles qui arrivent, il faut les faire venir tout de suite. Hein. Ça prend 3 tours déjà pour les faire venir. Vite, vite, vite. Le lancier, bon il sert pas à grand chose le lancier, mais on va quand même le faire venir, il peut servir pour la défense. Je sais pas si on peut communiquer avec les gens, les civilisations avec un pont côtier. Ça c'est un peu une information que je devrais savoir mais que je ne connais pas. J'ai oublié de soigner, alors j'ai été trop con. Alors. Parce que là si on se fait attaquer tout de suite on est dans la merde. Hein. Allez allez. On a des unités avec 2 étoiles maintenant non? 2 étoiles, 1 étoile. 2 étoiles, 1 étoile. Allez faut foncer les amis. Hein. On a confiance en vous les potes. Faut créer de l'armée. 2 cavaliers. Donc les cavaliers, eux, ils vont bien sûr là. Let's go. Ensuite, bah toi tu te reposes. Ah ça y est, on a notre premier éléphant. Le premier éléphant est là. Ah non, c'est pas du tout un éléphant. Pas du tout, c'est quoi ça? Oh c'est mes archers ça, c'est tout. Ok, ok. Ah les archers, j'ai tout intérêt à les faire level up quand même. Hein. Ah j'ai cru que j'avais mes premiers éléphants, j'étais content. Oui, bah juste ça, hop.
Voilà. Ville en repos, Akusa, 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 tout va bien. Moshé, bah faudrait récupérer la ville et la détruire direct. On aurait plein d'unités militaires. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Ils ont des cavaliers, des épéistes, des lanciers. Ils ont beaucoup d'unités, on pourrait récupérer cette cité-là. Ça ferait quand même beaucoup d'unités militaires. Là, on a encore des unités militaires. On peut les assimiler. Et direct détruire la ville. On peut faire ça, hein. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Est-ce qu'on fait ça maintenant? Sachant qu'on a besoin de rattacher ce territoire-là à Cana, qui coûte 27, c'est pas très cher. Étoile expansionniste. Faut continuer. Moi, je pense qu'on va récupérer Moche. Moche, on va récupérer ça maintenant. Ça va donner pas mal d'armées. Et on en a bien besoin pour la guerre. Donc, je pense que c'est un bon move. Tu vas garder un lancier là, par contre. Transférer. Off we Hop. go. Et tu vas piller ta ville. Je suis désolé, mais la ville va disparaître. Tandis que vous, les archers, vous, les cavaliers, vous allez là-bas. Hop, rapidement, on a besoin d'armée. On a besoin d'armée. Hop. Ne vous inquiétez pas, la ville va descendre très très vite. Les trois armées qui étaient là, c'était pas des armées de Moche, a priori. Peut-être une autre cité-état quelque part. Au niveau de la religion, ça avance. Ah, c'est dur, hein? C'est dur, les amis, au niveau de la religion ici pour reconquérir. Polythéisme nubien. Va falloir refaire un petit peu de trucs. À Moche, on va faire le palais de Tokepi pendant le tour avant que ça soit détruit. Nous allons faire à Kerma arrêter de faire ça et on va faire le palais aussi. Ici, nous allons faire le palais aussi. Et les grands camps s'y mettent au palais. Atelier de manuscrits. On avance, on avance. Ah, ils étaient là, les trois trucs. Je pense qu'ils veulent créer une cité-état ici, peut-être. Un peu chier de mettre une cité-état là. Et on a récupéré le territoire, donc là, c'est plutôt positif. Les éléphants sont en construction. Encore un tour là. Il va falloir en payer un éléphant. Hein. 2000 et quelques. Ok. Ça coûte cher quand même. Ensuite, ici, le lancier, il a détruit la ville. Donc il faut maintenant 425 pour créer une truc. La ville est descendue. On est de nouveau en, on est maintenant en 6-5. On n'a plus de malus. On n'a plus de malus, les potes. Ça fait plaisir. Vous contrôlez une ville de plus que les 5. Pénalité de 10 d'influence par tour. Donc voilà, c'est pas non plus une pénalité incroyable. Et grave, hyper grave. Donc tout va bien. Ah, il y a des villes là. Faut vite que les cavaliers y aillent. Toi, ton but, ça va être de recréer. Donc pour moi, tu te mets là. De recréer un avant-poste. Ok. Bon, vous faites rien, les potes. C'est qui, eux? On va leur péter le cul. Hein. Ouais, on peut pas. On peut pas, mais on peut se coller à eux pour essayer de les bloquer. Ah, ça fait chier. Je voulais pas faire la guerre avec eux. Parce que c'est des chars, quoi. C'est vrai que c'est pas terrible. Hein. Okay. On peut pas se battre contre eux, mais il faut qu'on leur pète leur refuge pourtant. Il va bien falloir qu'on le fasse. Hein. Donc faut qu'on tous qu'on y aille et qu'on va leur détruire. On va détruire cette cité-état tout de suite. On va avant qu'elle devienne une vraie cité-état. C'est important de les annihiler. On va mettre un lancier là. Ok, ouvrir le bras, l'arbre de technologie. Bon bah il est grand temps de faire voilà ce qui prend un tour. Hein. Tous ces trucs là. Allez,
Les potes, il faut rattraper. Hein. On est au Moyen-Âge, nous, on est à l'ère moderne. Allez, on y va, on y va, on y va, on fonce. Hein. Vers la science. Nous avons récupéré les parades et les cavaliers. Parfait, parfait. Nous avons notre premier éléphanto. Et c'est donc bien une cité-état qui est en train de se développer ici. Ça, ça nous fait absolument pas plaisir. Donc vous allez dégager les potes. Ça, je peux vous dire, vous allez vite dégager. On recrée la ville ici tout de suite pour récupérer tous les territoires qu'ils ont. Ça, c'est pas mal. Oh, la procession, j'ai oublié de la faire. Non, ça va, il reste encore 3 tours. Tout va bien. Voilà, nous avons une cité-état qui s'est développée ici. Ici, nous avons les Toltecs. Ici, nous avons les Inconnus au bataillon. Donc voilà, voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Donc ouais, ça va être pour but avec les... On a découvert une petite mutinerie à Memphis. Ah. Mutinerie à Memphis, car nous avons aucune stabilité dans cette ville. J'adore ma vie. Comment on peut gérer la stabilité? On peut pas, je crois qu'on a rien pour la stabilité. Je crois que pour chercher un truc, il faut aller dans... Voilà, faut mettre stabilité. Il y a deux trucs. Il y a les jeux. Faire des jeux après. On va faire un tour de jeu pour survivre. Pour éviter qu'il y ait une révolte là. Et parce que je crois plus qu'on ait de commerce avec eux forcément. Impossible, cet empire est en guerre. Donc forcément on est en guerre avec ceux avec qui on faisait le plus de commerce. Donc c'est la galère. Je vous l'accorde. C'est la galère. C'est chaud du cul. On va y aller calmement, mais sûrement. Your empire becomes one of the giants, astride the globe. Ouais, on est puissant, je vous l'accorde. Mais c'est chaud. Hein. C'est chaud, il va falloir faire des pièces de théâtre, mais surtout ce qu'il faut, c'est que nos cavaliers ils se bougent le cul là. Ils sont où nos cavaliers? Ils devaient traverser là, intelligemment, de manière rapide et efficace. Ah, bah allez, voilà. Bah, ils gagnent pas du tout en force de déplacement, donc c'est nul. Allez, bougez-vous le cul là, les cavaliers là. Bah les deux en même temps, là, je sais pas pourquoi vous allez sur des chemins différents. Vous êtes cons. Oh, ils sont cons ces cavaliers. Bon, nous, on a besoin d'aller faire la guerre. Donc, on va faire... Non, mais qu'est-ce que tu passes par là, toi? Qu'est-ce que t'es bourré? Voilà. Et vous, on va aux portes de leurs frontières. Avec l'éléphant aussi. On va leur faire un petit coucou. On va leur faire un petit coucou. Voilà. On aimerait bien faire du commerce avec vous, mais vous voulez pas parler avec notre bateau? Il est gentil, notre bateau. Oh, c'est chiant de ne pas pouvoir faire de trucs qu'il faille emmener des unités. Et puis la guerre va reprendre ici. Et on n'a toujours pas fait venir notre éléphant. Il est en chemin. Ici on est en train de faire un jeu pendant 3 tours. Stabilité est en train de remonter un petit peu. La procession arrive dans 2 tours. On attend. Ils ont pas mal d'armées quand même. C'est chaud du cul. Le lancier, toi tu vas aller là pour développer notre avant-poste ici. Il faut combien? 837. Et là il faut 837 également pour développer. Parfait. Ils ont 6 unités qui débarquent. Ça fait beaucoup encore. Hein. On a fait ramener que 2 nous pour le moment.
Ouvrir. Bataille manuelle. Ah oui, on a que 3 unités là. J'adore ma vie. Ok, on va se mettre là alors. Keep moving. Voilà. Don't fall behind. Quelque chose comme ça. Go this way. Ah, donc ils vont faire venir 1 milliard d'unités pour les 3 là. Ils sont en train de se split. Putain, ils ont 1 milliard d'unités. On n'est pas du tout prêt. On n'est pas du tout prêt. Il aurait fallu, avant d'accepter la guerre, l'acheter ici. Ah, j'aurais dû l'acheter. J'aurais tellement fait mal avec ça. Je pense que je vais recharger le tour. Je pense que je vais devoir tricher et charger le tour. Ouais, c'est dommage parce que j'y ai pas pensé. Je commence un peu à fatiguer là. J'ai un peu faim. Mais je voulais faire un deuxième épisode avant de vraiment vouloir m'y mettre. Ah, mais il joue ultra défensif en plus. Il joue ultra défensif en fait. Donc les amis. On commence par lui. Ça c'est un char qu'on va mettre là. Dans les lignes de défense qui sont derrière. Ça c'est un char. On le met là. Et ça c'est un char, on le met là. Voilà. Ensuite toi, t'es quoi? T'es un guerrier. Bah tu restes... t'es censé rester là normalement. Et toi, t'es un guerrier, tu restes là. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Let's go. Voilà, on a compris que lui, il faudra le déplacer là. Donc, hop, on commence par lui. On le met là. Lui, on le met... C'est quoi? C'est un archer. On le met là. C'est un archer. On le met là. C'est un guerrier. On le met là. Let's get him. Let's fight. Ok, lui. Come on. Là. Peut-être dû tirer sur lui dès le départ. Ouais, t'étais mieux. Toi, mon grand. Only in the mind's eye. Je peux pas tirer. Tu vas te mettre là. Ok, ok. Non, je trouve ça pas mal. Fin de la première manche. Tiens. On va essayer de pas tricher, de pas recharger et de prendre l'éléphant. Mais bon, si on se prend une branlée, je pense qu'on rechargera. Hein. Ils vont taper les lanciers là. Oh, les lanciers, ils tiennent bien. Ah oui, ils vont se faire dépasser. Ça va, ils ont... c'était pas non plus une catastrophe. Ils peuvent tirer? Ah oui, c'est des archers, eux. On a un bruit chier au niveau des lanciers, là. Ça va être à nous, là. Tu vas être à nous au niveau des lanciers, toi tu recules. Yes. Charge. Ok. Et tu te mets là. Toi tu te mets là. Et tire là. C'est de baisser leur puissance à eux. Charge. C'est pas mal. Ensuite on continue. On continue de tirer sur les lanciers. Pour les blesser le plus possible. Mmh.
Bah eux ils tiennent bon, donc on va les laisser tranquilles. On va les faire reculer maintenant. Lui, est-ce qu'on peut le mettre là? Oui, on peut même le mettre là. Et le faire rush. On y va, c'est un 2 étoiles, on prend lui. Ils vont les pulvériser, ils ont même pas pris de coup. Là, ça donne envie de les rusher quand même. Hein. Parce que les lanciers ils font mal. Autant les rusher et les tuer. C'est toujours une bonne prise de décision de tuer les lanciers de toute façon. Ok, ok, tout va bien. J'ai l'impression pour le moment. Terminer la manche. Je pense que tout le monde a joué là chez nous. Eux ils peuvent se déplacer mais ils peuvent pas jouer. Je pense pas qu'ils puissent jouer eux. Eux ils ont déjà joué. Ouais. C'est bon. Terminer la manche. Il y a peut-être un symbole qui dit que quand l'unité a déjà joué ou pas. Les lanciers qui se dirigent vers nos guerriers de étoiles là, je leur fais une chance. Ils tirent sur nos guerriers. Tout va bien. De merde là, qui fait mal derrière. Ils n'en ont qu'un seul, donc ça va. Pas non plus trop trop grave. C'est à nous ou c'est encore à eux? Ah, ils ont des cavaliers carrément. Rigolo. C'est à nous encore? Oui, c'est à nous. Tuer les lanciers, priorité bien sûr. Tuer les lanciers, priorité. Tu peux te déplacer derrière toi? Ouais, tu peux te déplacer. Donc elle est là. Pour que toi tu viennes là. Tu tires là. Toi tu viennes là. Et tu tires là. Okay. Ensuite on continue de tuer le lancier. Il veut pas. Là il veut bien. Ok, il est mort. Bah ensuite on tire sur lui parce qu'on peut pas tirer sur les archers. Il a pas envie. Là, il veut bien. Ok, c'est tout hein. C'est tout ce qu'on peut faire les amis. Si on peut faire reculer lui pour essayer de le faire tanker et demander lui de venir tanker à la place et de lui et de le tuer lui. Ok, tout va bien. Le lancier tient bon. Terminé la manche, on peut pas faire mieux. C'est à eux de jouer, non? Oh oui, c'était eux qui attaquaient, donc c'était moi qui a attaqué, qui finissait en dernier. Très très bon premier tour. Très très bon, très très bonne bataille. Très très belle bataille là les amis. On s'en sort bien. Ensuite, il faut qu'on fasse la guerre avec eux maintenant. Une nouvelle étoile militariste a été débloquée. Lui, il nous déteste. Ok, c'est bon. Toi, tu dois faire tout le tour. Tu dois arriver là. Voilà. Est-ce qu'on décide d'attaquer maintenant, sachant qu'ils sont partis à bateau, les cons. Ils sont partis à bateau, donc on peut facilement leur détruire leur ville. Ils n'auront pas le temps de revenir là, non? Je sais pas. Oui, normalement ils n'ont pas le temps de revenir. À l'attaque. Parce qu'ils sont en mer. Voilà, on a récupéré la ville. Incroyable du cul. C'est parfait. Donc on a récupéré la ville qu'on va directement piller bien sûr. On va détruire quoi. Allez, go. La ville est détruite. C'est parfait. Alors. L'éléphant est en train d'arriver. Ah, si l'éléphant peut join à la guerre au prochain tour. Ils vont douiller hein. Ils vont douiller, faudra peut-être attendre le prochain tour pour pouvoir leur ajouter. Mais on espère. Pareil pour les guerriers. On va vite les faire venir là. Quand ils sont à la mer, comme ça, ils sont pas dans la merde.
Pourquoi je peux pas attaquer? Parce qu'ils sont dans la mer justement. Je sais pas. Ça va être un truc comme ça. Éléphant. Ah, éléphant, j'ai pas le droit de le faire venir pour le moment. J'espère que j'aurai le droit de le faire venir au prochain tour. Ouvrir. Je peux pas le faire, non. Prochain tour, je pense. Prochain tour, mon petit éléphant. Mon petit beau gosse. Petit beau gosse éléphant. Babar. Ah là, c'est la merde. On a plus de trucs, donc on doit faire un aqueduc rapidement. Sinon, on va avoir des révoltes. Cette ville-là, on fait le palais de Tokepi. Let's go. La croix des Rirem. Ouvrir. Et ouais, on espère pouvoir te mettre dedans après. On espère pouvoir utiliser notre petit babar. Babar. Babar, rejoins le combat. Boum. Non, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient bon, ça tient bon. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, c'est à nous. L'éléphant. Voilà, l'éléphant peut rejoindre là. Il est avec nous. Il a le droit, plus un. On le met... Attendez, je clique sur lui d'abord. Je le recule. Voilà, je clique sur l'éléphant. Et je le fais venir là. Et là, c'est parti. C'est parti ! Babar ! À l'attaque ! Babar au combat ! Ah, faut pas faire chier les éléphants. Sans voix d'extinction, faites-les pas chier. Sans vénère. Ok. Essayons de blesser eux pour éviter qu'ils tuent notre guerrier. Non, on sort pas. Hein. On sort pas, mais on les blesse ici. Pour qu'ils puissent pas tuer eux, je pense. Ça, c'est parfait. No mercy. Je crois qu'il pourra tirer. Je sais pas s'il pourra tirer là, j'espère, ça serait bien. Oh, il peut. Piouf. Piouf, petit sniper de génie. Bah les gars, ça pue la merde pour vous, je crois là. Il y a Babar qui est arrivé et Babar qui est vénère. Il est vénère, Babar, faut pas le faire chier. Vous attaquez pas les bons guerriers, vous attaquez les guerriers plus solides, là, c'est pas une très bonne idée. Babar, j'ai confiance en toi pour les archers. Est-ce que j'ai raison d'avoir confiance en toi, Babar? Ensuite, toi, tu décales. Voilà. Ensuite, toi, t'avances là. Et tu tires sur les archers. Faites-moi plaisir, Babar. Fais-moi plaisir, Babar. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça aurait pu être mieux, Baba. Un peu dégoûté. Mais... dernier archer. Reculez, j'ai pas envie que vous mouriez. Attaque. De toute façon, ouais. Hein. Attaque sur les archers. C'est bon, ça tient bon. Ils sont bientôt morts, mais ils sont pas morts. On avance un petit peu. Terminé avant. Mais il leur reste vraiment plus qu'une unité ou il y a la cavalerie aussi? Il y a quand même une cavalerie non, qui est censée arriver. Tiens bon petit guerrier. Oh il est solide. Il est solide, il est solide le petit guerrier. Tout va bien. Pas de panique. Tirons sur lui. Ils ont le droit de bouger et de tirer je crois les éléphants. Ils sont puissants. Salut. Salut. On
11 unités de perdu. 0 pour Bibi. Vive Babar. Vive Babar. Incroyable. Incroyable la performance du joueur français. Ouf. Bon bah faut se reposer maintenant. Hein. Calmez-vous. Ah, ils veulent ouvrir une bataille avec nous. Bataille manuelle. Voilà, donc tac tac. Fin du déploiement si vous voulez. Ah, vous battez vers face au terrible guerrier Celte. Et ça, je pense que c'était une mauvaise idée de s'attaquer à nous. C'est à nous maintenant ? C'est à nous. Hein, j'ai pas envie de le perdre, l'éléphant, quand même. Hein. Donc attention. Let's go ! Over this way. Follow me. Let's fight ! No fear ! Ah, déjà tiré, je crois. Il se dégage. Bah alors les potes, fais-moi le malin maintenant. Pouf, 4000 de score. On remonte. C'est compliqué, mais l'objectif, c'est d'essayer de rattraper sur la fin les adversaires. Ici, Kouza, on peut rattacher à Kouza, on peut rattacher à Thèbes, ça coûte le même prix. Je pense que c'est Thèbes. Alors là, c'est compliqué. Hein. Là, ça serait plutôt Thèbes, Memphis, Kerma. Ouais, peut-être un truc comme ça. Donc là, ce serait plutôt Kouza qui devrait rattacher. On rattache. Oh, on a perdu énormément en stabilité. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. Quand on fait une erreur pareille, on est obligé de recharger la partie. C'est un petit peu dommage. Faire qu'on pourrait revenir en arrière, bon, c'est vrai que oui, ça permet de corriger les erreurs. Mais bon, tu peux faire une petite erreur de misclic. Tu peux faire un misclic, quoi. Là, la stabilité, elle est descendue tellement bas qu'on va vendre très cher. Hein. Ok. C'est pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a déjà des bâtiments qui sont créés ici. Et on perd énormément en stabilité, regardez. C'est pour ça, regardez, il y a énormément de bâtiments. C'est pour ça qu'on prend très cher. Je pense. C'est parce que c'est pas une ville normale qu'on rattache. On aurait dû faire plus attention. À Thèbes, on va ajouter la procession. Un peu partout. On va rajouter la procession. C'est important. Voilà, on l'a fait partout. On l'a fait dans nos civils. On est content. Certaines villes ça va, certaines autres villes ça va pas du tout au niveau stabilité. Non, pour ajouter 20 de stabilité. Pour être bien, faut réfléchir s'il y a pas un endroit. Si là on peut pas rajouter 20 de stabilité aussi en faisant un quartier du spectacle intéressant. Là on gagne que plus 5. Plus 10. C'est pas dingue hein. C'est que des plus 10 qu'on fait. Plus 10 c'est pas si mal non plus mais... Ah là on a un plus 15. Mais à ce moment là faut détruire un bâtiment. On va essayer d'en faire plusieurs pour essayer de remonter la stabilité au-dessus de 20.
Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Akuza, il y a des gens qui vont se rebeller, je pense. Il va falloir peut-être garder de l'armée pas loin. On va faire venir nos chars. On va refaire venir nos unités. Parce qu'il va y avoir une révolte là, je pense. Hein. Par contre, le cavalier, lui, doit toujours traverser. Ça n'a pas changé, ça. Ok. Continuons d'explorer ici. Les guerriers, ouais, les guerriers, faut qu'ils continuent de monter. Hein. Faut qu'on a besoin de avec la pour l'ego. On a les 3 étoiles militaristes. Donc on a 4 étoiles maintenant, on est pas mal. Par contre, c'est vrai qu'on galère à avoir les étoiles de science. On est à 28 sur 28. Pourtant, on essaye d'augmenter un petit peu toujours la science ou ça a été complètement stoppé là. Ça a été un petit peu stoppé les délires de science, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être falloir reprendre un petit peu. On aura 4 éléphants, je pense que ça suffira. Afficher les détails. Plus 20 de soutien de guerre augmenté en remportant une bataille à l'Empire impérialiste. Petit soutien de guerre augmenté en remportant une bataille sur relation. Ouais, non, on fait pas ça. Mutinerie à part ça. Ouais, on s'en doutait, ouais. Qu'il y aurait des mutineries. À part ça aussi. Ouais, la stabilité est encore trop basse. Il va falloir qu'elle remonte. Comment on peut faire pour qu'elle remonte rapidement? Sauf qu'on a tout fait ici. Hein. On peut faire une garnison, hein. Ça donne plus 5 de stabilité. C'est pas non plus horrible. Est-ce qu'on réattaque derrière directement leur territoire? Parce qu'il serait peut-être temps de... Parce que si on prend cette ville-là, après ils peuvent plus attaquer. Après on les gère avec 10 unités, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais... Faut t'aller dans l'eau, mon petit cavalier. Et ensuite, que tu ailles jusque-là. Ça va être l'objectif. Ok, ok. On a détruit la truc ici. Non, on a 4 unités militaires encore. Ouais, c'est parce que c'est des gens qui protestent, ça, dans nos villes. Il faudrait faire regrouper les warriors. Les warriors, ils sont déjà là. Putain, ils sont déjà là, mes guerriers. Faut que je fasse réunir les 3 chars avec le machin. Je pense que ça sera plus judicieux. Il faut que j'essaye d'améliorer ma stabilité. Putain, il faut vraiment que je fasse du commerce avec quelqu'un. C'est horrible. Et vous voulez toujours nous faire la guerre? Non mais putain, on leur a foutu une branlée 30 fois quoi. On leur a tué 50 milliards d'unités. Et genre, ils veulent pas la paix maintenant. On les a mais défoncés. Je pense qu'il faut leur défoncer une ville. Hein. On va leur défoncer une ville. Ça y est, c'est parti. Ça m'a saoulé. Ah, ils ont encore... Non, 300 à 305... Ah, on va attendre. Allez, on va attendre. On va voir qu'on gère les troupes barbares qui se baladent chez nous là. Les 4 mecs là. De la mutinerie. Et faut qu'on augmente la stabilité. La dépense de l'argent pour augmenter la stabilité dans cette ville. Plus 10 de stabilité pendant 10 tours. Ah, ça augmente pas la stabilité à chaque fois. D'accord, ça l'augmente juste un petit peu. D'accord, donc ça solutionne pas le problème en fait. D'accord, d'accord. Moi j'avais pas compris. La cavalerie, bah c'est pareil. Hein. La cavalerie, on lui demande d'aller dans le port et de prendre le bateau pour aller explorer et trouver des alliés. Vous soignez-vous. Soin. Soin. Vous vous attendez. Et toi, tu fais ton petit bonhomme de chemin, mon grand.
Ah mais c'est un territoire qui a jamais été conquis. Ah non, inconnu. Ah c'est les premiers, ils ont récupéré le continent inconnu, ça se trouve. C'est pour ça qu'ils sont aussi bien. Mystère et boule de gomme. Bah toi t'attends, hein. Tu dois attendre un peu. Et toi tu dois faire attention aux méchants pas beaux là. Donc faudrait que tu fusionnes avec avec eux. Prochain tour. Donc tu bouges. Toi l'éléphant, tu te rapproches. On a besoin de toi. Pour la guerre. Toi t'attends. C'est eux qu'on surveille. Hein. Féodalisme. Vite. Vite. Oh c'est la catastrophe. Non c'est... Non non! Qu'est-ce que tu me fais dedans? Oh c'est la catastrophe, j'avais besoin de vous les potes. J'avais besoin de vous. Voilà. Voilà. T'as le droit? Ouvrir. Fin du déploiement. C'est la merde. Mon éléphant! Non, mon éléphant! Babar! Non, Babar! Je l'ai senti venir. Pourquoi j'ai pas déplacé Babar vers les autres? Pourquoi j'ai été con à ce point-là? J'avais oublié que c'était des cavaleries. Babar étant de prendre si cher. Il faut aider Babar. Babar, moins 50% de PV pour Babar. C'est dur. Mais rentre dedans. Bug pas. Bug pas le jeu. Mets-les dedans. Mets-les dedans. Non, je vais recharger le tour. J'ai pas envie de perdre Babar. Je vais perdre Babar. Il me faut un létal là. Il me faut un kill. Il me faut un kill. Tu veux le tuer? Oh, tu le tues pas. Quel dommage. Mais Babar, mais on a besoin de toi, connard de char de merde, là, Babar! Non, Babar! Babar qui tombe! Mais non, c'est pas du juste! Je charge la partie, je sauve Babar, je m'en bats les couilles! Va te faire foutre, le jeu! Je vais sauver soldat Babar. Ah non, mais je crois que j'ai pas chargé le bon tour. Il fallait que je charge le 107ème, pas le 108ème. Quoique, si je me démerde bien, si je suis sur Babar, je peux déplacer Babar. Allez. Le joueur français. Non. Vite, Babar, cours. Cours, Babar, cours. Oui, on t'a sauvé, Babar. Maintenant c'est à nous d'aller vous affronter, bataille manuelle. On va vous péter le cul, on met Babar derrière, fin du déploiement. À l'attaque. Ah, nos chars ne font pas très mal. On aurait peut-être dû essayer de voir s'il n'y avait pas une évolution technologique. Vas-y Baba. Jouez en défensif. Ça va. On aurait pu jouer sur un plus petit front comme d'habitude, ça aurait peut-être mieux marché. Allez Baba. Boum, ça dégage. Recule. Recule ici. Et ouais, nous on est malin sur les cartes. Même si c'est des unités de merde, les chars, et qu'on peut pas les. Je crois qu'on peut quasiment pas les faire évoluer. Si peut-être on enverrait late game sur des tanks, justement. Les chars qui deviennent des chars. Bien joué, le petit coup d'éléphant là. Qui carry. Je sais pas si ça sera suffisant pour le tuer. Hein. Est-ce qu'on peut le déplacer après le char, comme pour notre char égyptien? Non, on peut pas.
peut pas attaquer et déplacer. On est dans la merde. Bon, après, si on perd les chars, c'est pas non plus une trop grande perte comparé à Babar. Babar, c'est une énorme perte. Hein. Quand tu perds un Babar, t'es dégoûté quoi. Alors, on a perdu. Ah bah, trade. Trade, ça va. Pas non plus horrible. On a tenu. On a tenu, les amis. On a tenu, les amis. La guerre continue entre l'ego et nous. Mais faut pas oublier de refaire remonter la stabilité. Ça, c'est un bordel. Un obélisque, ça sera bien. Un obélisque des dieux, ça serait bien. On y va. Voilà, obélisque, rappelons que ça donne 20 de stabilité. Hein. Pas oublier d'en faire. Hein. C'est un bon moyen d'augmenter la stabilité. J'avais oublié ce moyen-là. Ok, ok. Allez, les petits cavaliers, là. Mais du tout de ma gueule, lui, il va passer devant l'autre, alors que lui, il va bouger. D'accord. 5 unités militaires, bah comme tiens. Et voilà quoi. Babar est prêt. Babar est prêt. On a 2 babars. Oh là là, ils vont douiller. Hein. Prochaine fois qu'ils nous attaquent, ils vont douiller, les mecs. À Garna, on va faire un. On va faire des trucs quoi. Voilà. c'est bon? Ça vous va? Allez, c'est parti. Vous faites des choses. Hein. 619. Après, faut qu'on. On peut pas vraiment rattacher de territoire. Mais faire des avant-postes, c'est pas forcément mauvais. Donc on va les faire, je pense. Comme ça, on sera tranquille. Un 8 camp 2 ou un 14-23. 14-23, c'est vraiment très très bien. On part là-dessus. Tu pourras aller là. Ouvrir. C'est bon. Bah toi tu vas tout derrière là-bas. Mais je ne veux rien de toute façon. Les batailles, ça faut tout réorganiser. Bon, au niveau révolte, ça va aller là. Oui, toi c'est au-dessus. Toi ça remonte. Il n'y a que là. Thèbes c'est pas trop bas. Thèbes ça descend, mais. À cause du CO Wound, mais après ça pourra remonter un petit peu. On fera peut-être ça d'abord. Toi, il faut que tu continues d'explorer un petit peu. Le problème, c'est que tu communiques avec personne. C'est bien joli de faire des tours de map, mais il faut parler avec les gens. Quoi. Parler avec les gens un petit peu, c'est pas mal. Hop. Les guerriers, on les remonte. On les fait fusionner avec eux, je pense. Guerrier avec guerrier. Et boum, et ensuite on régène. Un nouvel éléphant. Qu'on fait venir de Thèbes vers le haut. Il est obligé de passer par la flotte l'éléphant parce que ça bug avec la guerre. Non, 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 mais Babar, passe pas par l'eau. Babar 3. Passe pas par l'eau, toi c'est bon. Vous pouvez rester là. Allez, restez là si vous avez envie. Fin du repos de cette ville. Stabilité qui remonte un petit peu. Donc on peut pas faire. Donc on fait le palais de Tokepi. Palais de Tokepi, ça me semble pas mal. Et on passe le tour. Et on s'arrête là. On s'arrête là, on s'arrête là. On s'arrête là, on s'arrête là pour l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Cet épisode de Humankind, les amis, on avance. On avance, on avance vers la galère de la fin du jeu. Je suis pas sûr qu'on finira premier, hein. Je suis pas sûr qu'on finira premier, mais on essaye de progresser. C'est tellement dur d'arriver à faire du commerce. Faut vraiment que je me bouge le cul plus tôt. Là, le fait qu'on fasse pas de commerce, on est exactement dans la même galère que dans l'épisode précédent. Enfin, dans l'autre let's play 6 sur 7, on n'a pas fait de commerce. Et on avait fait du commerce avec les go, mais on est obligé de se les taper, quoi. Donc, ça fait yesh. Ça fait chier, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je le rappelle. Ne l'oubliez jamais ça, quand vous galérez à faire quelque chose, qu'il faut du temps. Bah, c'est normal, hein. Le temps, ça prend du temps.
Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, des bisous et à dans 2 jours pour la suite de ce Let's Play de Humankind. Ciao.